Madame, Monsieur, autant que c'est un honneur de voir s'établir à Pointe-Noire un festival d'une ampleur ineffable, c'est un bonheur pour nous de vous savoir présents ce soir pour savourer de la rumba de haute facture avec un baobab, un géant, un colosse de la musique congolaise et je suis tenté de dire de l'une des grandes musiques Congo. Congo avec K, parce que l'artiste de ce soir est une grande figure représentative de l'Angola, de la RD Congo et de la République du Congo. Sam Mangwana, auteur, compositeur et chanteur hors pair. L'homme, par sa puissance créative, a donné à sa carrière une dimension panafricaine, une dimension internationale. Partout où il est passé, comme l'eau, il a su prendre la forme de son contenant. Il s'est acclimaté. Sam Mangwana en Afrique, Sam Mangwana en Europe, Sam Mangwana aux Antilles, Sam Mangwana partout et Sam Mangwana ici dans la ville Océane et surtout avec nous. Ce soit tant de carrière musicale entre titres, culte et popularité, Sam et simplicité sont restés indissociables. Le festival Rumba un jour, Rumba toujours se réjouit de la présence de l'auteur de Fatimata, Banaba Cameroun, Susanna. Dois-je poursuivre cette présentation? Je crois que non, car la voix la plus importante de cette soirée, c'est celle de Sam Mangwana. Ce samedi, on danse de la rumba. Je vais demander à Sylvie Mavungu-Bayon, directrice déléguée de l'IFC de Pointe-Noire, de pouvoir nous dire un petit mot afin, d'une certaine façon, de déballer le tapis rouge à Sam Mangwana et ses compagnons. Bonsoir. Merci d'être là ce soir. Merci d'être là pour Monsieur Mangwana. Monsieur Mangwana, que j'ai eu l'honneur de rencontrer lorsqu'il avait sorti son album Gallo Negro, un album qui a fait un très grand succès. J'y avais eu à cette époque à Paris, au Café de la Danse, l'opportunité de l'interviewer. Et depuis, on a gardé le lien. Donc pour moi, l'accueillir ici à Pointe-Noire pour la deuxième fois, c'est un vrai honneur pour ce festival Rumba un jour, Rumba toujours, organisé par l'Institut français du Congo avec tous les partenaires qui nous ont accompagnés pour que ce festival puisse avoir lieu. Merci beaucoup à vous d'être ici. Et ce soir, nous avons l'opportunité d'avoir sur scène aux côtés de M. Mangwana, M. Maïka Mounan. Directeur artistique du festival. Et avec le groupe qu'il a créé ici à Pointe-Noire, nous allons pouvoir faire ce soir une très belle aventure dans le répertoire de M. Mangwana. Nous vous remercions beaucoup pour votre attention et nous vous souhaitons une agréable soirée. Merci beaucoup. Nous accueillons sur scène M. Sam Mangwana, s'il vous plaît, sous applaudissements. Bonsoir, Point Noir. Pourquoi cette chanson en avant-première? Parce que j'avais à peu près 10 ans, 11 ans, quand je commençais à comprendre ce que c'est la rumba sur la place de Kinshasa ou Brazzaville. C'était le début de la modernisation de la musique locale à Kinshasa et à Brazzaville. Et cette fameuse chanson, félicitée à...
a été composée par Joseph Kabasele. Applaudissez Joseph Kabasele, le père de la modernisation de la rumba. C'était, je crois, en 54-55. Et pour vous, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, excellences, félicités. Voilà! Na moi si souka bon tembe Oya lelo Yo baby si mo kili awa Na mon panzi Tala ele ya para iso Na mi pesi Nyon sense na yo Felicite Na moi si souka bon tembe Oya lelo Yo baby si mon kili awa oh na mon pandi tala elenga paraiso na mi pesi nyonso se na yo ita
que singal folie para tala fifi oti ai ino nayo mama 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 pauni penza para fifi oti ai longi nayo mama e pe singal folie para fifi oti para fifi oti para fifi go C'est passé comme ça à Brazza et à Kinshasa. C'est pas merveilleux ça? Eh oui, la belle vieille époque. La rumba, oye! Alors là, après l'Afrique en jazz, on vous amène en 56 avec Loke Jazz qui était composé par Nganga Edo. Et la lune, c'est le Saint-Gouka, et sous des soins Franco, Vicky, et voilà, l'inédit pour vous. L'inédit nangana mama oh. Okay, just a quiet, and I'm on the way anymore.
okomi omoni sangai babanda na miso awanga na vandi otema mobongi teo okomi omoni sangai babanda na miso Yamemba.
Abaya, abaya. Hey, et quand vous m'entendez, on te fait quoi? Mais comment quelle quoi ni baka? Aïe aïe aïe. Mais bon, qui? Mais ton coup pointe noir. Ah. Boubot, quoi? Boubot, quoi, aïe aïe. Maria me balotale, Maria me balotale, Quentin.
noire. Maria me balotale, kulupobo. Maria me balotale, 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 Maria me balotale. Yeah, la danse de la foulée. Chaque fois, quand je me retrouve sur une scène, je n'oublie jamais un monsieur qui m'avait pris sous ses ailes en 63 à Kinshasa. Ce monsieur s'appelle Taboulé Rouchereau. Et Taboulé Rouchereau m'avait dit qu'il avait composé cette chanson dans un train qui s'appelait Micheline. Il a eu cette inspiration à partir de la gare de Pointe-Noire, avant d'arriver à Brazza, il avait tout composé. Et c'est un monsieur sur qui je ne peux pas dire beaucoup de choses parce que il fait partie de notre patrimoine culturel qu'est la rumba congolaise. Merci Taboulé. Là, je ne veux pas chanter comme lui, mais je vais essayer de faire comme lui. Parce que ces messieurs, ils sont tous irremplaçables. Là, je parle Dessous, Nino Malapé, Célestin Kouka, Edon Ganga, Paul Mundanda, Mwanga Paul, et j'en passe. Baboka, Tuzalinga na yonse, Benayebi, Mokolo mosusu toko monana. Michelina, Ozalise kominyo kolampa. Bona kolelanga, Nazali kaka mopaya, Nakole kandela. Solo bako kutana kate Moto sena moto Bazali nanzela kotambola Lobi na lobi Michelina toko monana Michelina, Michelina Nakangi mote mamboto kutana Eko kendenga ima etondi na misope na motema Na akole la yo Miche, Miche, Michelina, Mike, Mike, Michelina, na mikolo mi bale kote linga na motema, na zali koka mwa. Oh.
motema po tokutana ekokende ngai maetonde na miso pe na motema nakolela yo mike mike mikelina michelina michelina na mikolo mibale okotelinga na motema nazali koka mwa Comme j'ai toujours eu le virus de la bougeotte, en 76, j'ai décidé d'aller en Afrique de l'Ouest. Mais pas par avion. Je suis passé par Libengue, Bangui, Garoua-Boulaye, Bertoua, Yaoundé, Douala, Kongsamba, Manfé, le Biafra, Lagos, je suis atterri à Cotonou. Et qui je trouve là-bas? Un jeune frère avec qui on se connaissait à Kinshasa quand il était étudiant parce qu'il venait de temps en temps à l'université de Kinshasa pour faire ses recherches. Et ce monsieur s'appelle Théoblaise Koukou, TBK, comme vous l'aimez l'appeler. Et là, il était toujours dans les études, mais il faisait partie d'un groupe très célèbre au Bénin qui s'appelle c'était le Polyrythmo, voilà. On s'est rencontrés là-bas. J'étais tout maigri parce que j'étais à l'aventure. Il me dit, mais c'est pas possible. Mais grand frère, qu'est-ce que tu viens faire là? Je dis, ben, je viens connaître le monde et demain, je continue sur Lomé. Et je me rappelle de la couleur d'un billet de 500 francs CFA qu'il m'avait donné pour aller manger au quartier où je logeais. Ça, c'était Théoblaise Koukou. Le reste, on en parlera l'année prochaine. Merci beaucoup. Non, je préfère vous le dire. Et on s'appelle, il arrive en Côte d'Ivoire. À partir de là, Dizzy Mandjekou, Lokassa, Ringo Moya et Théo Blaise ont créé le groupe African All Stars. C'était notre œuvre à partir d'Abidjan. Un petit applaudissement pour Monsieur TBK. Oh yes! Et là, quand nous sommes arrivés là-bas, il fallait chanter en français local pour essayer de vendre les disques. Lui, il a composé Zenaba, moi j'ai composé Georgette, les autres ont composé tout ce qu'on avait lancé sur le marché et ça a pris comme une bombe sur toute l'Afrique noire. C'est pourquoi je n'oublierai jamais cette époque passée en Côte d'Ivoire. En quelque sorte, nous étions des ambassadeurs, mais on n'a jamais eu de passeport. J'espère que un jour nos pays reconnaîtront ça. Mais c'est parce qu'on commence à voir des ambassadeurs de la rumba partout. Et nous les pionniers. Merci beaucoup. Thank you.
passera, je serai encore plus malade. Georgette à moi na mama. Georgette à moi na mama. Na yebisa la defina. Georgette à moi na mama église, tu m'as rendu très malade. Ce soir sans doute quand tu passeras, je serai encore plus malade. Georgette à moi na mama. Georgette à moi na mama. Je dirai tout à Delphina. Moi, na mama et Kings, tu m'as rendu très malade. Ce soir, sans doute, quand tu passeras, je serai encore plus malade. Georgette à moi, na mama. Georgette à moi, na mama. Au Katinga, il m'a fait mal. Je récolte trahison. Moi j'ai planté confiance. Je récolte déception. Georgette à moi na mama. Tu m'as rendu très malade. Je dirai tout à Delphina. Au Katinga imotema. Moi j'ai planté coco. Coco n'a pas pu donner. Moi j'ai planté igname. Igname n'a pas pu donner. Moi j'ai planté l'amour. Je récolte trahison. Moi j'ai planté confiance. Je récolte déception. Georgette à moi na mama. Tu m'as rendu très malade. Je dirai tout à Delphina. Au Katinga imotema. De Kinshasa, en passant par Brazzaville, avec escale, Abidjan et Paris pour les Antilles. Yeah. Là, c'est Maïka, le directeur. Un petit applaudissement, s'il vous plaît. Yeah. Yeah, mouta fouta, garçon, va s'il y a baby. Thank you.
tebo mama e tebo la mama na 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 tebo mama e tebo la. Pourquoi j'ai rapproché ma copie? Parce que le monstre sacré qui avait composé cette chanson, juste une anecdote, une fois j'avais oublié un couplet, on a passé 2 semaines sans se parler. Alors pendant une de nos répétitions dans l'Okedja, je lui demande, mes grands frères, mais ça fait 2 semaines, j'ai l'impression que le courant ne passe pas entre nous deux. Il me dit, mais Sam, tu me connais, je suis un perfectionniste. On avait joué un concert dans un mariage, tu avais oublié un couplet de Faute à commerçant. Ça, c'était le perfectionniste Simao. Et je n'ai jamais oublié ça. C'est pourquoi tout à l'heure, j'ai rapproché ma copie. Là où il est, je crois qu'il nous entend et il nous voit. Je vais essayer de faire ce qu'il voulait entendre. Un petit applaudissement pour Simao Ndomane. Yeah! Kola tonga masini, banda banga kanda nanga ite umalole. Oyo yo, ah. Oh mina lewa thank you.
tala kisasa mobimba balali nazali se kotanga plafond na canapé nao kisasa mobimba balali nazali se kotanga plafond na canapé papa. Kadi mobali akabinga kado na baleki bazalaki kobenga nga yaya na sando na samwe ngai na mesana kosika ta lelo na siliki bana banga kanda na ngai te omalole oyoyo daya maneke ngai mwana lomeka mobali asambu singa likolo ya vengeance oyoyo ah. Oh, minalewa ee mwana soki kokelela eleki na la vie bakoya kobenga yo maboko makasi mwana soki verite eleki mingi na monoko bakoya kobenga yo epanza makita mwasi ya mobulu asimbaka makwela veo suka ya likambo se baboya ye niongo ya mpongi suka se ofuta mwasi obongaki se na ndako ya masiya eima oyoyo ah. Oh, mina lewa ee. Kadiba kalanga ikala, bainanga yo. Mubale aboyanga kala na koye bakate oho Likambo na sala ile kile lombu la somi Mubale akangela nga nkanda na motema Toko lia toko melata na sengi pardon Ie na motema boya koli kisangai Ayeko boyanga setango na nigile midyo Anga nyanyo kwa miyoyo Oyo yo, mobali atiki ngai bolingo na lole mwe Oyo yo, libale pesi ngai pension ya bomwana boye Oyo yo, je moye pa comprendre o Mama oho, aje muri kado ye Mama oho Ibale pesinga bolingo la motema e O mama Ibale pesinga ipanso ya bomwana boye O mama Lele ile o Mama Ate paya selizo zoe E paya bebe
kombo na ngai esili kosila sempolinde sukwe mama atemba eseli sukwe mama uko mama uko mama uko mama uko la rumba congolaise. Vous savez, les grands frères qui nous ont appris à faire des chansons, c'était quoi le rôle? D'abord, c'est quoi le rôle d'un griot dans une société africaine? C'est accompagner la société, critiquer, conseiller et de temps en temps cajoler dans le sens du poil parce que le public aime bien ça. Alors je crois que le rôle d'un chansonnier dans une société, c'est cela. Alors nous, nous sommes de cette génération qui préfère accompagner la société, et c'est ça notre manière de contribuer. Applaudissez les pionniers de la rumba congolaise. Est-ce que vous connaissez une chanson intitulée Poto Poto? Poto Poto Mbuka Mounene Solo Kisasa Poto Moindo Nauti Baningi Vili Baningi Vili Mboka Mbula Matario Tango na lingi kobala, kobate mweba komisomyo. Na beti liba kumabeli kolo ya bana bandumba. Anga mabanzo. Ah donc je ne suis pas le seul vieux ici. Un petit applaudissement pour vous-même. Antoine Mundanda, oh yeah. Que vive la musique. Wouh. Bongosoki balé, batondi, balobio, basila. Est-ce que musicien en silaka? Yesu akufa, ça fait plus de 2000 ans, mais basambe la kaye. Est-ce qu'en sila? Bongo bisoto sila poni. Bongo polo kamba sila poni. En plus, na Congo. Ah non, c'est pas possible. Alléluia! Zonga Bilanga. Lubamba, 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 Lubamba.
tala esila bokofu na biso dozonga bamboka toko na bilanga oh dosalisa peuple soki na lobi mabe ba journaliste kotongo kateo Aina zala kamulangi ya pembe soki na monye na yembie Lubamba 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 lo tungenzo lo tungembanza oh ya ya Esom polite le tsunga la colonia ya masima gadi azombo kikulu Azombo kikulu Ezombo ditele tsunga la kolonia ya masina gadi Azombo kikulu Thank you.
Fatimata. Cette fameuse Fatimata, on la retrouve dans toutes les grandes villes d'Afrique. Je vous explique pourquoi. Vous savez, quand vous arrivez dans une ville, il y a toujours ces belles secrétaires au centre-ville qui côtoient les PDG, les grands avocats qu'on appelle maîtres. Je ne sais pas s'ils maîtrisent quoi. Ah non, c'est la loi. Ils maîtrisent la loi. Alors, ces secrétaires, elles sont sincères. Hein? C'est, parfois, c'est des grandes chrétiennes. Elles sont tous les jours dans... Comme demain, dimanche, quand vous allez chez les grands fonctionnaires de M. Dieu, vous les trouvez là-bas, en train de dire Alléluia. Alors, ces secrétaires ont des salaires qu'il faut pour elles, parce que, bon, elles ont fait des études, elles ont excellé, elles travaillent bien, elles sont élégantes, belles, charmantes et tout. Mais ce qui m'a étonné, je dis, mais cette secrétaire, avec son salaire, il va toujours au travail en taxi avec compteur. Aller-retour à la maison, un taxi avec compteur, ça peut faire 10 000 par jour. Hein? Compter 24 jours par mois, ça fait déjà 240 000. Et les anniversaires, on n'en parle pas. Les vacances, c'est toujours en first class. On appelle ça classe business. Et pas n'importe où. Hein. Quand elles arrivent à Dakar, c'est toujours aux Almadies, dans des suites. Alors je me suis dit, mais ça mérite d'être chanté. C'est pas méchant, mais c'est ma façon de voir nos sociétés en Afrique. J'ai raison ou pas? Pour vous, c'est Fatimata. Fatimata, et en passant, Fatimata te traumatise. Hein? Je suis touché, mais je te pardonne. Malgré te traumatiser, mais je te pardonne. Fatimata, oh ma belle. Oh ma belle. Ta façon d'aimer, c'est pas joli, c'est pas gentil, façon comme ça. Ta façon d'aimer doudou, jaloux, 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 t'es trop jalouse. Tu vois même devant nos gens, tu perds la tête, c'est pas gentil, oh ma belle. Parfois même devant nos invités, tu perds la tête, c'est pas gentil. Oh ma belle, hey, Fatimata, oh, amour à moi, hey, Fatimata, oh, amour à moi. Ta façon d'aimer, c'est pas joli, c'est pas gentil, façon comme ça. Ta façon d'aimer doudou, jaloux, 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 t'es trop jalouse. Tu
toi-même devant les gens. Tu perds la tête, c'est pas gentil, oh ma belle. Parfois même devant nos invités, tu perds la tête, c'est pas gentil, oh ma belle. Fatimata, une fille comme elle. Fatimata, elle habite Yopougon. Fatimata, elle travaille au plateau. Fatimata, elle roule comme taxi. Fatimata, elle m'a fait tourner la tête. Fatimata, elle a des marches de caméléon. Fatimata, elle ne voit que le bandit. Fatimata, le bandit de Yamoussoukro. Fatimata, quand elle arrive à Dakar, Fatimata, elle m'a piqué aux Almanis. Tout cela pour m'impressionner. Fatimata, je suis tombé malade. Fatimata, voilà moi traumatisé. Fatimata, non, 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 non. Tu m'as déçu, Fatimata. Fatimata, non, 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 non. Tu m'as déçu, Fatimata. Fatimata. Ce festival de rumba aujourd'hui, rumba toujours, connaît un heureux événement aujourd'hui. Et parmi nous, vous avez vu cette présence féminine, cette demoiselle qui s'appelle Lise Diabinamana. Fête son anniversaire aujourd'hui. Alors, elle vient d'avoir, elle a l'âge de ma petite fille, hein, parce que moi, j'ai 77 ans. Je suis né en 1945 à Kinshasa. Mais elle est née en 1900.
Et elle vient d'avoir 9 ans. Bon anniversaire, Lise. Centenaire de la ville de Pointe-Noire. Bonne fête, j'anticipe, bonne fête, merci beaucoup. Un petit applaudissement pour vous-même.